Et salut à tous, c'est Lego Speed. Et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Dans une nouvelle vidéo, on se retrouve pour que je vous dise mon ressenti sur le magazine du mois de septembre et octobre 2022. Donc le dernier magazine était celui de Kai Dragon d'Or qui est sorti du coup fin août. Ma vidéo sur mon avis, mon ressenti est déjà du coup disponible sur la chaîne YouTube. Donc d'autres magazines dont j'aurais pu parler sur la chaîne mais dont je ne vais pas parler sont comme les Legacy ou les magazines où j'ai déjà la figurine ou des figurines qui ne m'intéressent pas forcément vu que c'est du Ninjago Corps et autres. Donc place à la vidéo. En haut du magazine, nous avons l'information qu'en plus de la figurine de Lloyd, nous aurons une carte d'or de Maître Yang. Ensuite, nous avons Lloyd pour le thème de la saison 16. Du coup, dans ce magazine, la figurine de Lloyd. Nous aurons des informations sur les véhicules des ninjas ainsi qu'une BD qui se passe entre l'épisode 1 et l'épisode 2. Ça se passe du coup au tout début de la saison 16, ainsi que deux posters. Comme vous pouvez le voir, ce magazine qui coûte 6,50€, il comprend donc une figurine, la figurine de Lloyd de la saison 16 et une carte d'or. Cette figurine que nous ne retrouvons que dans les nouvelles vagues de la saison 16. Ce magazine est le 10e magazine de l'année 2022. Il comprend donc une figurine, des jeux, une BD qui se passe au tout début de la saison 16 et nous avons des informations sur les véhicules des ninjas. Et à la fin du magazine, nous avons ce que nous allons avoir au mois d'octobre, c'est la figurine de Zane Dragon de la saison 16 que nous ne retrouvons que le 26 octobre dans les kiosques à journaux. Je trouve que la BD de ce magazine est bien car on nous raconte une histoire qui se passe entre la fin de l'épisode 1 et avant l'épisode 2 de la saison 16. Je trouve que la figurine de Lloyd dans ce magazine est cool car au lieu de l'acheter dans un des plus gros sets, le roi du cristal, ça permet du coup de l'avoir plus facilement. Et pour ce qui est du poster, il est bien car d'un côté nous avons Lloyd avec le fond de la ville prêt en tenue de ninja et de l'autre côté nous avons les méchants du conseil du roi du cristal qui sont tous réunis avec évidemment leur tenue violette. Passons ensuite au magazine du mois d'octobre. En haut du magazine, nous avons l'information qu'en plus de la figurine de Zane Dragon, nous aurons une carte d'or de Garmadon. Ensuite, nous avons Lloyd pour le thème de la saison, la figurine de Zane Dragon. Nous aurons des informations sur quelques membres du conseil du roi de cristal dans ce magazine, une BD qui se passe pendant la saison 16 ainsi que deux posters. Comme vous pouvez le voir, ce magazine qui coûte 6,99€, il comporte donc une figurine, la figurine de Zane Dragon de la saison 16 et une carte d'or. Cette figurine que nous retrouvons dans la nouvelle vague de de la saison 16. Ce magazine est le 11e magazine de l'année 2022. Il comporte donc une figurine, des jeux, une BD qui se passe pendant la saison 16 et nous avons des informations sur les membres du conseil du roi de cristal. Et à la fin du magazine, nous avons à voir au mois de novembre, c'est la figurine du roi de cristal que nous ne retrouvons que le 23 novembre dans les kiosques à journaux. Je trouve que la BD de ce magazine est bien car on nous raconte une histoire qui se passe pendant la saison 16. On y voit quelques personnages que l'on connaît déjà vu qu'on a déjà vu la saison 16 partie 1, voire partie 2, que l'on retrouve juste dans la saison. Mais je vous laisse découvrir cette BD si vous voulez acheter ce magazine. Je trouve que la figurine de Zane Dragon est cool car au lieu de l'acheter dans un set qui pour moi est quand même cher, ça permet de l'avoir dans ce magazine qui est quand même assez abordable. Et pour ce qui est du poster, il est super bien fait. Nous avons pour le premier poster le roi du cristal qui est posé comme ça avec ses deux épées et derrière on voit son temps. De l'autre côté du poster, nous avons une pose pour tous les sets des ninjas, des méchants et vraiment c'est un plan qu'on voit tous les sets de la saison 16 comme lors d'une bataille. Donc voilà. Donc voilà pour ce magazine. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je me ferai un ravi de vous répondre en commentaire. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, lâche un pouce bleu, partage et abonne-toi à ma chaîne si le contenu de ma chaîne te plaît. Et moi, je vous dis, c'était Lego Speed. À la prochaine.